Bonjour, je suis Luc Coquelin. Moi, j'ai démarré la voile, je ne sais pas pourquoi. En fait, depuis tout gamin, je savais que j'allais naviguer. Je n'ai pas de marin dans ma famille. Je connaissais des gens qui naviguaient, mais en fait, depuis tout petit, je savais que j'allais naviguer. Donc, dès que j'ai pu quitter l'école, on va dire, d'enseignement général, je suis arrivé à l'école nationale marine marchande à Saint-Malo. Et là, vraiment, je considère que je me suis épanoui. C'est vraiment, les cours, je les prenais à pleine brassée. C'était pas une punition d'aller à l'école, au contraire. J'avais même des bons résultats, chose qui n'était jamais arrivée avant. Donc, la mer m'a tout donné. Et en fait, aujourd'hui, je continue à naviguer, je suis en temps de passion. Mais je me souviens que c'est grâce à des formateurs que j'ai pu avoir une belle vie. Je considère que j'ai eu une vie magnifique, puisque ma vie, je la partage entre la Bretagne et la Guadeloupe. Je crois qu'il n'y a pas deux plus belles régions au monde. Donc de toute façon, moi, je suis quelqu'un d'heureux. Je viens de Bretagne, je vis en Guadeloupe, donc je suis comblé. Mais j'essaye aussi de filer un coup de main aux jeunes qui sont un petit peu dans le doute, dans la complexité de la vie aujourd'hui, de les aider, parce qu'un formateur, quand vous êtes ado, quand vous êtes jeune adulte, c'est très très important. C'est un peu le tonton qui va vous guider, quoi. Et en fait, j'essaie de jouer ce rôle-là auprès de pas mal de jeunes. En fait, fin des années 70, moi je naviguais sur les cargos, donc marine marchande, et puis en fait, il s'est trouvé qu'avec la mondialisation, il n'y avait plus de travail, on va dire, pour les marins français. Donc ça, c'était un petit virage assez difficile à négocier, et c'est grâce au fait que j'ai eu une bonne formation que de suite j'ai pu embrayer dans d'autres métiers. Je suis même allé travailler à la montagne, hein. Je me suis retrouvé régleur de ski. Parce que j'avais une bonne formation marine marchande, une bonne formation technique, j'ai pu prendre des virages au bon moment, et puis je me suis retrouvé dans la plaisance, on va dire professionnelle, et grâce à une bonne formation. Donc je crois vraiment à la formation, je crois vraiment à la formation de qualité, et c'est ça qui vous emmène sur des projets très intéressants toute votre vie.